Et encore une petite vidéo les amis, cette fois-ci c'est au sujet des sacs à dos. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns et je voulais vous les montrer à quoi ça a l'air. Ça c'est le sac à dos de base. Le sac à dos de départ si on peut dire là. Sinon on peut avoir d'autres sacs à dos. Dans la Tomb Shop notamment, là j'ai le sac à dos standard. Vous avez le sac à dos à pelle noire. Donc c'est un sac à dos avec une pelle noire. Donc je plaisante. Bon, il est pas laid, le sac à dos. Basique, normal. Mais il est pas laid. C'est un de mes préférés en fait. Il passe partout, dépendamment de ce qu'on porte aussi. J'aime bien celui-là. Sinon, nous avons le sac à dos de colon secouriste. Oh, je sais qu'il y en a un modèle comme ça qui est en rouge, si je me trompe pas. Ou en tout cas qui ressemble et qui est en rouge. Non, il y a un peu trop de breloques pour moi, celle-là. Il n'est pas laid, là, mais il y a trop de breloques pour moi. Trop de gugus après, comme on dit, cette. Sinon, on a le sac à dos de pillard maraudeur. Oh! Ça, il y a sûrement beaucoup de monde qui vont l'aimer, lui. Il est pas laid, mais il fait violent, hein? Ouais. Il fait plutôt dans le violent, ouais. Il va bien, remarque, avec ma boucle de ceinture, hein? Il est pas laid non plus. Il est pas dégueulasse. Ensuite, sac à dos aller des états libres. Ouais, ok. Bon, t'as un sac de petit garçon qui s'en va à l'école. Un peu trop petit, je trouve, le skin, il me semble. Non, j'aime pas ce genre-là. Non. Et le petit dernier sac, nous avons le sac à dos vert des états libres. Ok, donc c'est la même chose, mais il est vert. Ouais, franchement. Enfin, bref. Pas très beau, non. Non, franchement, moi, celui que j'aime bien, c'est le... Ouais. Celui-là, il est vraiment... Ouais. Il est vraiment hot. Très beau. Et puis voilà les copains, c'était une petite vidéo sur les quelques sacs à dos que je possède. Et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'il vous plaît, j'apprécierais. Au revoir.